Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre en notre compagnie le troisième Grand Prix de cette saison 2017 de Formule 1. Nous sommes aujourd'hui dans le paddock de Shanghai en Chine, dans la région de Jiading pour assister au troisième round de cette saison. Avec, vous le voyez, les nuages qui ont décidé de s'inviter. Alors que les premières images nous parviennent du paddock, on aperçoit ici Max Verstappen, un début de saison difficile pour le pilote néerlandais après sa casse moteur du côté de Melbourne. Ici la voiture de Fernando Alonso, le pilote espagnol leader du championnat, 4 petits points devant Bottas et Van Dorn. Et ici c'est la voiture de Pascal Wehrlein qu'on a vu beaucoup à la bagarre lors de la deuxième course du côté de Sakhir. On va faire tout de suite un premier plongeon dans l'intérêt de cette troisième manche avec les différents pilotes qui se préparent pour partir pour la première fois en piste ce vendredi. Vous découvrez donc la piste de Shanghai, ce circuit inauguré il y a de cela 13 ans, c'était en 2004, avec un premier Grand Prix qui restera dans les mémoires, une lutte entre Michael Schumacher, à qui on envoie toutes nos pensées, notre soutien, avec Raikkonen et Alonso, c'était assez mémorable. Cette piste de 16 virages et d'une longueur de 5 km 400, a vu le record du tour entré par ce même Michael Schumacher, c'était lors du premier Grand Prix en 2004. On reviendra un petit peu plus tard sur les statistiques émanant de cette course du Grand Prix de Chine. On évolue donc avec Stoffel Vandoorne dans cette première séance du vendredi matin sous les nuages. L'occasion pour les pilotes de découvrir une première fois la piste avec ses monoplaces 2017, dont certaines ont encore reçu beaucoup d'évolutions qui n'avaient pas eu le temps d'être montées et fiabilisées, surtout avant la deuxième manche de Bahreïn. On sait qu'on est limité en moteur et en boîte de vitesse cette année et on ne voulait pas les monter dans des conditions trop fragiles comme c'était le cas à Bahreïn avec le sable et la chaleur. La chaleur, il en sera question peut-être un peu plus tard dans le week-end, mais ce que l'on sait, c'est que cette troisième course de la saison se déroulera en partie, partiellement, sous la pluie. On a eu la confirmation de la météo qu'il y a 97% de chances de pluie au moment du départ, donc je pense que les pilotes vont travailler en conséquence. La première séance est donc, je vous le disais, réservée à la découverte de cette piste, avec l'une des plus longues lignes droites de cette saison 2017, avec le circuit de Bakou et sa grande ligne droite de 2 km. Celle-ci n'est pas mal non plus dans le genre, avec une belle opportunité de dépasser au bout avec l'épingle qui ramène vers le paddock. Regardez cette magnifique structure que l'on doit bien sûr au célèbre designer de la Formule 1, Herman Tilke, qui nous a dessiné beaucoup de grands mais aussi de mauvais circuits. On se rappellera notamment du célèbre virage 8 du circuit d'Istanbul. Voilà les résultats de cette première séance d'essai libre, avec pas mal de bons résultats, notamment pour Kevin Magnussen et la Haas, tandis que les Williams se placent dans la première moitié du peloton. Deuxième séance, cette fois-ci nous sommes le vendredi après-midi, et la bonne nouvelle pour l'ensemble des pilotes qui souhaitaient tester la tenue de leur pneumatique, c'est la venue du soleil qui vient recouvrir et chauffer le goudron de Shanghai, avec Van Dorn qui va donc s'atteler à la tâche de la recherche des évolutions concernant les pneumatiques avec les pneus soft à bande jaune. Il y aura 3 composantes de pneumatiques comme chaque fois lors de ces week-ends de Formule 1. On fait un petit point rapidement sur le classement, on vous en a parlé en tout début de retransmission. Il y avait donc Alonso qui était leader avant ce Grand Prix. On va voir si ce sera toujours le cas après la course de dimanche, mais on a bon espoir chez McLaren de rééditer l'exploit de Bahreïn, avec Bottas et Van Dorn à égalité au deuxième rang, 33 points chacun. Suivent ensuite Ricciardo et les Ferrari, respectivement titulaires de 15 et 12 points. Vettel qui est donc devant son équipier. Hamilton a l'air aussi d'être dans le coup. On va voir si les Mercedes ici peuvent profiter de la vitesse de pointe qui est désormais devenue l'atout des moteurs Honda qui équipent les McLaren. D'ailleurs, on est déjà en train de discuter l'année prochaine pour fournir le moteur Honda à d'autres équipes, notamment à Haas, qui serait un petit peu déçu du moteur Ferrari de cette année. En tout cas, vous regardez la fin de la deuxième séance d'essai libre et vous constatez la bonne tenue des pneumatiques pour Stoffel Vandoorne, qui était un petit peu gêné dans deux de ses tours, lui imposant de lever le pied, et le delta a dû être un petit peu faussé. Attention, parce que le dernier tour risque d'être également proche du delta. Voilà. Alors que Vandoorne retourne au box, c'est son coéquipier Fernando Alonso qui s'empare du meilleur temps avec les gommes les plus tendres, les super soft. Jordan King est à une belle 12e place avec la Manor.
On oublie le vendredi, on passe désormais au samedi matin, troisième et dernière séance. Et le but ici est de sortir le meilleur chrono chaussé des pneus les plus tendres, puisque les voitures sont désormais placées en configuration qualification, même si on le sait, la règle du parc fermé s'applique évidemment, vous le savez, c'est-à-dire qu'une fois que la voiture est sortie la première fois du garage en Q1, eh bien on ne pourra plus la rectifier, en tout cas beaucoup moins que ce que l'on pouvait faire jusque-là dans le week-end de Grand Prix. Van Dorn à l'assaut des 16 virages de cette piste de Shanghai, une piste assez intéressante. On aura vu pas mal de choses se passer ici, notamment on se rappellera de Pastor Maldonado qui, dans le premier droit, était les yeux rivés sur ses boutons et avait oublié de tourner dans le deuxième virage qui lui par contre était à gauche. La grosse sortie également d'Adrian Sutil, c'était avec la Force India. Il y avait énormément plus cette année-là, c'était en 2009 si je ne dis pas de bêtises, et il avait été pulvérisé sa voiture à 3 tours de l'arrivée. On avait vu également Jarno Trulli jouer à saute-mouton sur la voiture de Robert Kubica. C'était à l'époque une BMW Sauber dont le retour en tant que sponsor n'est pas folichon pour l'instant. Zéro pointé à l'issue des deux premières courses pour l'équipe de Monisha Kaltenborn. On se retrouve au bout de cette ligne droite avec Van Dorn. Et on découvre désormais que ce sont les deux McLaren qui, en pneus super soft, ont été les plus véloces, avec un écart de moins d'un dixième entre les deux pilotes. Belle performance de la Haas de Romain Grosjean qui se classe 7e, de bon augure pour le Grand Prix. La session de qualification va suivre avec comme objectif la première ligne pour Stoffel Vandoorne, ainsi que battre Alonso et Bottas. La première séance de qualification du samedi avec Lewis Hamilton à l'image qui doit redresser rapidement la barre s'il veut conserver son titre mondial. On a fait deux courses et deux grands prix qui n'étaient pas au top. Une deuxième place du côté de Melbourne, mais ensuite il y a eu altercation avec l'homme que vous venez d'avoir à l'image, Sergio Perez. Les deux voitures se sont percutées à Bahreïn. Perez est allé personnellement s'excuser du côté du garage Mercedes après l'arrivée. La première séance a débuté il y a de cela quelques minutes et les pilotes commencent à leur tour à rentrer des chronos pour se placer parmi les 16 premiers pour ainsi accéder à la Q2. La Q2 n'aura cette fois-ci que peu d'intérêt pour les pneumatiques puisqu'on le sait, on partira sans doute avec des pneus intermédiaires voire pluie dimanche. Donc on va pouvoir s'attaquer au chrono à qui mieux du côté des pilotes. Il n'y aura plus de retenue pour la deuxième séance puisque si vous nous suivez, vous le savez. La deuxième séance permet aux pilotes de sélectionner les pneus avec lesquels ils prendront le départ le lendemain. Allez, un premier secteur dans le move pour l'instant pour Stoffel Vandoorne qui entame bien sa séance. Équipé de pneus super soft, c'est Julian Palmer, le pilote de la Renault numéro 30, qui est en train de s'adjuger le meilleur temps, mais ceci de manière provisoire évidemment. Ce sont les premiers pilotes à rentrer des chronos. Felipe Nasser est en train de rejoindre et même de battre Julian Palmer. Cette fois-ci, c'est le pilote Manor qui se retrouve en tête de la feuille des temps, battu à l'instant par Daniil Kvyat. On est déjà proche de la minute 38, qui devrait sauter d'ici quelques secondes. On aperçoit Jordan King également juste dans le fond de l'image devant Van Dorn. On voit Alonso également qui est derrière, qui termine son premier secteur. Un peu tard, l'ouverture du DRS ici pour Stoffel Vandoorne. Et le freinage au bout de cette ligne droite. 1.37.6, on vous le disait, ça allait très vite tomber. C'est Vettel le plus rapide pour l'instant avec la Ferrari. Le dernier gauche pour Stoffel Vandoorne. On va découvrir le verdict du chrono pour le pilote belge. Ok, thanks for the weather. Is this lap time enough to reach Q2? Et du côté de Stoffel Vandoorne, on se demandait si le temps était assez correct pour rejoindre la Q2. Et c'est le cas effectivement, comme pour bon nombre des habitués. Mais la bonne nouvelle, c'est la présence des deux Manor en Q2 et l'absence des deux Force India qui se sont vus refuser l'accès à la deuxième séance à l'issue de la Q1. La Q2 avec les pneus super soft pour tout le monde, on ne va pas tergiverser dans cette deuxième partie de qualification. Et Stoffel Vandoorne va se retrouver, comme l'ensemble de ses petits camarades chaussés,
et des gommes à flanc rouge. Le soleil continue de tenir même si les menaces de pluie sont toujours présentes pour la course. Pour aujourd'hui, eh bien, on aura du soleil. Premier secteur dans le Mauve avec un temps de 26 secondes 564 pour le pilote belge. Il continue d'évoluer dans le deuxième secteur un petit peu plus rapide avec beaucoup de courbes. Il est allé mettre une roue dans l'herbe du côté gauche. On le voit, un petit peu de saleté récoltée, des marbles ici de nouveau. Et c'est en 1:37.359 que Kimi Raikkonen s'empare du meilleur temps provisoire. Les Ferrari ont l'air d'être bien dans le coup après de bonnes séances d'essais libres. On espère voir les rouges revenir un petit peu aux avant-postes, même s'ils ne sont pas très loin, mais ils sont encore un petit peu derrière. On va voir si on peut assister cette année à une victoire Ferrari dans les premiers Grands Prix qui précèdent l'arrivée en Europe. Je rappelle, le quatrième Grand Prix, ce sera du côté de Sochi, en Russie, avant de repartir vers l'Europe, Barcelone et Monte Carlo pour le Grand Prix de Monaco. Sixième manche de la saison qui s'annonce également assez disputée cette année, avec pour la première fois, je crois, les billets ont tous été vendus. Guichetterie fermée pour le Grand Prix de Monaco et ça fait plaisir. Preuve que l'intérêt pour la F1 continue. Alors, c'est Fernando Alonso qui s'est montré le plus rapide au final. Il a battu le 1:36.359 de Raikkonen. Et on voit que tout le monde est passé et il n'y a pas de surprise parmi les premiers. Carlos Sainz et Kvyat sont passés avec la Toro Rosso. Derrière, évidemment, les Manor, les Haas et les restants Force India sont restés dans la Q2, la Q3, 10 minutes pour signer le meilleur chrono possible avec le nouvel assaut du circuit pour Van Dorn. On continue de la même manière, on est un peu plus tard dans la séance. On voit que pour l'instant le pilote avec le temps de référence, c'est Fernando Alonso. Va suivre les écarts entre les deux McLaren, c'est toujours très intéressant depuis la lutte qu'ils nous ont offert lors du deuxième Grand Prix où c'était absolument somptueux. Il est en avance de pas grand chose. Where is Fernando? Where is Fernando now? Et Stoffel qui se renseigne sur le chrono de son équipier, ce qui paraît logique vu qu'il est titulaire du meilleur temps pour l'instant dans cette Q3. Et on améliore de 2 dixièmes ce second secteur pour Van Dorn qui est en train d'aller chercher peut-être la pole position. On évolue dans le troisième secteur. Is Fernando still P1 now? Et on confirme de nouveau à Stoffel Vandoorne que l'homme à battre, c'est bien Fernando Alonso. Allez à fond, 2/8, 350 km/h et même plus, 352 pour Stoffel Vandoorne. Et la sortie de l'épingle, le dernier gauche alors que ça rentre juste devant lui pour, je crois, Kimi Raikkonen. Allez, le dernier gauche, le verdict du chrono pour Stoffel Vandoorne. Et c'est la pole position provisoire, 1:36 pour le pilote belge. Ok, copy. Et finalement non, c'est Fernando Alonso qui va mettre une belle correction à son équipier en signant la pole en 1:36.0, une demi-seconde d'avance sur Stoffel. Ça fait mal avec la même voiture. La course a des objectifs simples pour Stoffel Vandoorne. Il va falloir faire deuxième et battre Bottas et Alonso. Dimanche, jour de course, bienvenue à Shanghai pour la troisième manche de ce championnat 2017 de Formule 1. C'est sous les trompes d'eau que l'hélicoptère évolue vers la grille de départ. C'est sous une température assez fraîche, 20 degrés au départ pour cette troisième manche. Et les pilotes qui vont devoir sécher leurs semelles. Vous découvrez la piste de Shanghai avec ses 16 virages. Plus techniques les uns que les autres, il vaut mieux bien préparer sa voiture ici. Deux zones de DRS avec deux zones de détection différentes. On vous propose également le record du tour de Michael Schumacher et de sa Ferrari. Vitesse maximale 350 km/h. Vous voyez la piste gorgée d'eau, ce qui attend les pilotes pour le tour de formation d'ici quelques minutes. Pour l'heure, on va voir qui va tirer profit de la qualification. Le classement général avec Alonso en tête pour 4 points devant Bottas et Van Dorn.
au niveau du classement des constructeurs, eh bien c'est McLaren Honda après son doublé à Sakhir qui prend la tête des opérations. Voici Fernando Alonso qui monte dans sa McLaren Honda. Daniil Kvyat avec la Toro Rosso. Bonne qualification des Toro Rosso dans cette troisième manche. Et on découvre ensemble la grille de départ de cette troisième manche de la saison. Ok, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Et voici la grille de départ de cette troisième manche de la saison avec la pole position pour Alonso. La première ligne 100% McLaren, la seconde 100% Ferrari. Ce qui va nous donner, je pense, un départ assez intéressant. La troisième ligne est composée des deux pilotes Mercedes. La belle, c'est la belle huitième place de Sainz. La 11e de Grosjean, qui est assez intéressante. Lance Stroll est 13e. Les deux Manor, 15 et 16, pas mal. Massa, 17e. Pascal Wehrlein, 18e. Les Renault sont toujours aussi loin. Et la 19e place pour Perez, ça n'est pas la folie du côté de chez Force India pour Sergio Perez. The pull away wasn't so good. I have a lot of water on the track, so it could be good for us to have more grip on the clutch for the start, but at least it's good and let's warm the tires and the brakes. Et vous l'entendez, la température est au cœur des discussions dans les radios. Alors que le tour de formation évolue, vous voyez la quantité d'eau avec lesquelles les pilotes vont devoir démarrer ce troisième Grand Prix de la saison. Le tour de formation continue, ça va être important de bien chauffer les pneus et les freins au moment de l'extinction des feux. Et on va faire donc une petite revue donc de la grille de départ avec les deux McLaren, donc devant les deux Ferrari et les deux Mercedes. De quoi nous donner eh bien, un beau spectacle d'ici la fin de ce tour de formation. On notera la bonne performance de Carlos Sainz et de Daniil Kvyat, les Toro Rosso dans le top 10. La 15e et 16e place des Manor, alors que l'on nous indique qu'on va encore avoir droit à la pluie fine pendant 20 minutes. Pas de changement de conditions météo, mais on ne sait pas si ça va évoluer vers du plus sec ou du plus humide. Pour l'instant, eh bien, on est en intermédiaire du côté de la direction de course. Les informations météo sont donc les suivantes, 20 minutes de pluie au moins. On continue la grille avec la 19e place de Sergio Perez, hein, c'est assez mauvais. Les Force India Mercedes qui n'arrivent pas à faire évoluer cette année leur châssis, malgré les belles bagarres à laquelle, auxquelles nous avons assisté lors des premiers Grands Prix. On espère que Esteban Ocon pourra profiter des premières courses en Europe pour redresser la barre pour le constructeur indien. Et vous voyez les pneus qui sont mis en température pour Van Dorn qui partira du côté gauche pour vous, puisque vous aurez la caméra de manière frontale, mais il sera du côté plutôt propre de la piste. Alonso est plutôt du côté sale, il est fort sur la gauche au niveau de la pole position. Et voilà, les premières voitures, on les voit, on est debout dans notre cabine, on se penche un petit peu pour regarder et on les voit passer juste en dessous de nous. Là, voilà, Alonso arrive. Van Dorn suit beaucoup d'avance des McLaren, c'est assez impressionnant. Habituellement, les leaders aiment bien en fait patienter. Pourquoi ? Parce que, eh bien, si vous chauffez vos freins et vos pneus, on écoute Van Dorn. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Okay, the car temperature is good. I think we have too much high on the brakes, but it's gonna cool down for the next few seconds. So it looks good for us. Good luck, Jeff. Allez, on s'encourage chez McLaren, je disais donc qu'il faut garder les pneus et les freins chauds, ce qui n'est pas toujours manœuvre facile. Et pour cela, on réduit l'écart qui sépare les premières voitures des dernières pour éviter que l'on refroidisse à l'arrêt les pneus et qu'on réchauffe le moteur. Les dernières voitures, les Renault et les Sauber, arrivent. On va bientôt devoir passer à la procédure. Voilà, les feux rouges s'allument et Raikkonen qui est fort décalé sur la gauche. C'est parti! On roule à Shanghai avec un bon envol des Mercedes. Pour le moment, Van Dorn qui prend la tête face à Alonso. Et derrière, on va retrouver les deux Ferrari en sandwich avec Bottas. Oh, et l'avantage, je crois, à Kimi Raikkonen s'il parvient à garder la Mercedes à ses côtés. Et finalement, c'est Vettel qui s'est montré le plus véloce.
Et un départ sans encombre pour le moment. Van Dorn en tête alors que derrière Raikkonen ne veut pas lâcher avec Bottas. La Mercedes et la Ferrari qui sont à deux doigts de se toucher. Attention sur les freins. Bottas à l'intérieur. On devrait voir peut-être la Mercedes prendre l'avantage. C'est désormais fait. On a donc Van Dorn, Alonso, Hamilton, Vettel, Bottas et Kimi Raikkonen. Eh bien les Ferrari se sont un petit peu fourvoyés dans ce départ. D'ailleurs, on a une Manor qui a pris un excellent envol. Quant à vous dire laquelle c'est d'ici, je ne peux pas encore vous le dire. Mais on le saura bien assez tôt. Ça glisse beaucoup. Vous avez vu Van Dorn légèrement à la dérive dans ce premier tour. Toujours le Belge en tête. Et c'est déjà à la file indienne. Un départ très très calme pour l'ensemble du peloton. Et vous voyez les pilotes dans la ligne droite, Van Dorn, Alonso et tous les autres. Raikkonen derrière à l'attaque de Lewis Hamilton, peut-être déjà un dépassement. En bout de ligne droite, non. Par contre derrière, oui, Raikkonen va plonger. Oh, il arrive à passer Valtteri Bottas. Et le Finlandais qui est désormais sixième. Et il y a les deux Red Bull derrière en... Antonaï peut-être pour prendre l'avantage. On est avec Raikkonen qui a perdu beaucoup de temps dans la manœuvre. Raikkonen qui n'est pas forcément très rapide à la réaccélération mais qui est très bon sur les freinages. Le premier tour couvert avec Van Dorn toujours en tête devant Alonso et Lewis Hamilton. Suive Vettel à un grand trou de quelques secondes et ensuite c'est la brochette que vous avez à l'image. Raikkonen, Bottas et ce qui semble être Verstappen derrière Ricciardo. Allez, retour en tête. Les voici. Et on constate déjà l'écart important qui sépare Van Dorn de son équipier dans ce deuxième tour. En caméra embarquée avec le pilote belge, enfin. Et on peut se rendre compte de la quantité d'eau qui stagne sur la caméra. Imaginez-vous la même chose du côté de la visière des pilotes. Alors, quand vous êtes en tête comme Van Dorn, ça va. Si vous êtes derrière, eh bien, c'est un peu plus compliqué parce que viennent s'ajouter les sprays de la voiture qui vous précède. Et même si on a fait beaucoup d'évolutions depuis l'époque où on perçait dans les visières pour enlever la buée, eh bien, ça reste tout de même assez spécial. On sait qu'en endurance, certains pilotes possèdent en proto, eh bien, en proto ouvert, en tout cas, des visières avec système de désembuage, mais ça n'est pas encore le cas en Formule 1. Alors, Ricciardo à la bagarre, il est bien 7ème devant Max Verstappen. C'est bien ce que l'on avait vu sur nos écrans, les deux pilotes de l'équipe autrichienne qui évoluent à la file indienne. On a pensé un instant qu'ils allaient profiter de la bagarre entre Bottas et Raikkonen, mais finalement ils ont préféré rester spectateurs de tout cela. On va assister peut-être à quelques attaques dans la ligne droite du retour. C'est l'un des rares endroits où l'aspiration peut faire son office, puisque, je le rappelle, en condition de pluie, pas de DRS disponible pour ces pilotes. L'attaque de Vettel pour s'emparer de la troisième marche du podium peut-être. À l'intérieur sur Lewis Hamilton. Et Hamilton qui est à l'extérieur, il peut garder une roue aux côtés de Vettel, mais non, il préfère soulager. Et on sent que les pilotes sont très très sages pour l'instant en piste. On n'a pas de gros contacts, pas de risque pris. Et regardez les écarts alors qu'ils passent devant nous pour la troisième fois. Van Dorn, Alonso et désormais Vettel troisième. Et on est plus à son affaire du côté de chez Ferrari dans cette troisième course. Va-t-on seulement réussir à gagner une épreuve du championnat du monde avant l'arrivée à Barcelone? C'était l'objectif qu'avait confié Maurizio Arrivabene à nos collègues de la Gazzetta dello Sport, et avec la volonté pour Ferrari de remporter un Grand Prix cette année avant d'arriver en Europe. C'était le contrat demandé par Maurizio Arrivabene à ses hommes. En tout cas, Vettel pour l'instant n'est pas en tête mais est troisième, avec juste derrière lui l'homme avec qui vous êtes en caméra embarquée, Lewis Hamilton. Ce fut bref. Alors on recule un petit peu dans la hiérarchie avec Lance Stroll qui se bat avec Romain Grosjean. Et le Français qui est pour l'instant pas loin des points. 12e place en jeu. Et même la 11e pour Stroll. Vous êtes avec la voiture de Jordan King qui continue de se battre. Voilà, bataille pour la 12e place avec Romain Grosjean sur la Haas à moteur Ferrari. Dont on chuchote l'année prochaine l'arrivée du moteur Honda. Déjà, alors qu'on est à peine en début de saison. Mais le contrat de Ferrari avec Haas semblait bien solide, puisqu'on peut dire que Ferrari a quasiment fourni 80% de la Haas en 2016. Et bien cette année, le contrat s'est un petit peu réduit en termes de fourniture de matériel. Haas qui développe pas mal de nouveautés.
notamment sa propre boîte de vitesse. Avec Romain Grosjean dans la sortie du banking. Alors qu'il y a un petit peu moins d'eau sur la piste pour le moment. En tout cas, la trajectoire s'assèche. On peut le constater avec cette caméra embarquée. Le Français qui est à 335 km/h. Et dites-vous qu'on est quand même 15 à 20 km/h en dessous de ce que l'on peut faire avec des pneus secs. Jordan King et l'autre Français juste derrière, c'est Esteban Ocon. On revient en tête de la course avec la lutte pour la troisième place. La tête désormais. Et toujours pour Van Dorn, on a eu un bref aperçu de la tête avec le pilote belge. Derrière, on retourne sur la lutte qui oppose les Mercedes aux Ferrari, sensiblement proche en termes de performance dans ce début de course. Et Alonso légèrement décroché de Van Dorn. Au niveau des stratégies, on parlait d'un seul arrêt au box pour les plus tendres avec les gommes. Mais si la piste continue à s'assécher, à moins d'aller sur les bords de trajectoire rechercher les flaques d'eau, eh bien, ce serait normalement deux arrêts qui attendent les pilotes. En tout cas, c'est ce que nous a dit Paul Embray de chez Pirelli, si les conditions étaient comme il le sentait. Oh là là, il y a un morceau d'aileron manquant sur la partie avant de la Haas. Alors qu'on nous remontre le départ après 4 tours de course, il était temps au niveau de la réalisation britannique. Elle est avec Daniil Viat qui a eu du mal de s'élancer lors de son Grand Prix de Bahreïn. Ici, ouais, c'était chaud avec l'une des Williams. C'est Romain Grosjean devant qui a pris un bon envol, le Français. Il aurait été intéressant de voir le départ depuis l'une des voitures en lutte Raikkonen ou Hamilton. Ça aurait été intéressant ici. C'est Lance Stroll qui a tenté de conserver l'avantage, mais à l'intérieur, Viat a été le plus rapide. Ah voilà, le départ depuis la voiture de Raikkonen, ça c'est intéressant. Ouais, c'était pas le meilleur envol de la carrière du Finlandais qui a beaucoup patiné, vous le voyez, ça zigzague pas mal dans le volant. Et on comprend mieux la prise de pouvoir des Mercedes dans les premiers hectomètres avec le passage d'Hamilton et la lutte avec Bottas qui laisse juste assez d'espace. On voit à l'intérieur la Ferrari de Vettel prendre l'avantage. Regardez donc Raikkonen avec Bottas. Retour au direct avec Van Dorn qui bloque ses roues. Dans ce quatrième tour de course, on n'a perdu personne pour l'instant, c'est important à signaler. You are in first position, front of the pack. Okay, is there a chance to have less rain for the next few minutes? This rain is expected to stop in around 15 minutes time. 15 minutes. Et on annonce la fin de la pluie pour dans un petit quart d'heure du côté de Van Dorn. Kevin Magnussen à l'image, à la lutte avec Felipe Nasser. Derrière, c'est je crois Felipe Massa et Sergio Perez. Kevin Magnussen qui doit résister aux assauts du pilote brésilien. Ah, il a voulu y aller Nasser, mais il s'est ravisé au dernier moment. Voilà, on est à bord de la voiture de Felipe, qui précède un autre Felipe, Massa celui-là, sur la Williams. Et Manor qui avait fait un bon début d'épreuve avec Jordan King, mais pour Felipe Nasser, c'est un petit peu plus compliqué. Le pilote de la monoplace numéro 94 qui se retrouve bloqué derrière la Haas, mais il est en mesure d'aller chercher le moteur Ferrari. Dans la ligne droite, il passe juste devant nous. Et l'attaque de Felipe Nasser qui conclut, on va espérer peut-être de dépasser Magnussen, et c'est fait, et le Danois cède sa position. Et bien, c'est ce qu'on appelle dans le métier un dépassement d'école pour Felipe Nasser. La tête avec Van Dorn toujours bien installé au commandement, même si ça commence à glisser dans ce cinquième tour de course pour le pilote belge. On rappelle qu'il y en a 28 à compléter aujourd'hui à Shanghai. C'est un petit peu délicat, on vous a laissé profiter un petit peu de la manière dont le pilote accélère et freine dans ces conditions. Allez, avec Vettel, pour l'instant bien accroché à sa troisième place. On confirme de nouveau à Stoffel Vandoorne les 15 minutes restantes pour la pluie. On ne va pas encore chercher de flaque sur les côtés pour le leader. Il est désormais titulaire d'une belle avance, de plus de 4 secondes 5 sur Van Dorn. Au tour précédent, on va voir si Alonso a pu rattraper ce gap.
Regardez, voilà, Alonso qui est un petit peu plus loin derrière. Il y a au moins 5 bonnes secondes là entre les deux. Nouveau tour couvert pour Van Dorn. Allez, sixième tour de course désormais. Alors, du côté de Van Dorn, on explique qu'on est content de ce que fait le pilote belge chaussé de pneus intermédiaires et que même si les conditions sont un petit peu moins humides qu'en début de course, eh bien, il n'est pas encore temps de passer sur une gomme sèche, slick en tout cas. Pérez à l'image, le Mexicain, à la chasse du Danois Magnussen sur la Haas et juste devant, je pense, Julian Palmer et Pascal Wehrlein. Non, ce n'est pas Julian Palmer juste derrière, c'est Nico Hülkenberg. Autant pour moi, Palmer est juste derrière Wehrlein et devant Ericsson. Allez, Van Dorn toujours en tête dans ce sixième tour. Mais regardez, ça commence à glisser et on va pas tarder à aller chercher l'eau du côté du leader. Regardez l'écart avec Fernando Alonso. Ils sont quasiment plus dans la même image. Et c'est de bon augure pour Van Dorn, qui n'a pas encore remporté de course cette saison. C'était moins une à Bahreïn, mais ici on a quelque chose de beaucoup plus calculé. Dans ces conditions, on est beaucoup plus posé. Ça n'est pas la foire d'empoigne en piste pour le moment. Et c'est assez intéressant, ça change complètement du ton qu'avait pris la course du côté de Bahreïn. Ici on a quelque chose de plus régulier. On sent que c'est vraiment une course d'attente pour bon nombre de pilotes. C'est Felipe Nasser que vous avez à l'image sur la voiture numéro 94. Ça ne rentre pas encore alors que on attendait les premiers arrêts aux alentours du 7-8e tour. Voilà Pascal Wehrlein à l'image devant son équipier Marcus Ericsson, le Suédois, que l'on avait vu plus habitué à être à l'aise sous la pluie en GP2. Un petit peu plus compliqué avec la Sauber cette saison. Van Dorn toujours au commandement. Et on le serait à moins. On se demande si l'arrêt ne va pas se faire retarder du côté d'Alonso pour tenter d'aller chercher un arrêt unique dans cette épreuve. Qui n'est pas impossible à tenter, alors que Lewis Hamilton est passé devant Sebastian Vettel qui a cédé sa troisième place. On vient de le découvrir comme vous à l'image. Et oui, ça a dû se passer il n'y a pas longtemps puisqu'on n'a pas vu le changement de position chez nous. Vettel est toujours troisième au passage du transpondeur devant la ligne droite. Alors peut-être que Vettel va repasser. En tout cas, désormais, les deux Ferrari sont bien enfermés, encerclés par les Mercedes d'Hamilton et de Valtteri Bottas. Avec l'avantage au pilote britannique pour l'instant. Raikkonen qui est en phase d'aller peut-être chercher son équipier. We're considering switching to an alternate strategy. Do you want to change or stick to plan A? For the moment, stick to plan A. Stick plan A. Confirmed. Et on ne change pas les plans du côté de chez McLaren. On garde la stratégie à deux arrêts. Et Hamilton et Vettel toujours en lutte pour la troisième place. Mais là, c'est plus derrière que ça se joue entre Vettel et son équipier. 40% d'usure sur le train arrière de la McLaren. L'explication entre les deux Red Bull, vous l'avez entendu, ça patine pas mal hein, avec les voitures en pneus intermédiaires usés. On vous a laissé profiter bien du son de cette bagarre et du bloc Renault. Et on continue d'évoluer ici derrière la lutte à 4 hein, qu'il se passe juste devant.
Il est en bagarre pour la 7 et 8e place avec l'avantage pour l'instant à Verstappen qui a réussi à dépasser Daniel Ricciardo. Et l'Australien qui fait également un début de saison assez mitigé. Ah, alors que l'on voit depuis la voiture de Verstappen, Ricciardo revenir sur son équipier, pas en mesure de porter l'attaque. De toute façon, l'Australien, ouais, même s'il fait une petite mesure d'intimidation, ça ne perturbe pas d'un poil le jeune néerlandais qui reste devant pour le moment. Alors que l'on a droit à une Toro Rosso juste derrière, ou deux Toro Rosso même. C'est rare que les deux Red Bull soient devant leur équipe sœur. On fait une demande d'arrêt au stand du côté de Vendôme et c'est légitime puisque 3 pneus sur 4 sont déjà proches des 50% d'usure. Et donc si on calcule bien, 9, 18, 27, on va peut-être s'arrêter pour faire deux stops du côté du leader. Jeff, I need clear information. Do we have dry track at the end of the race? We don't currently have the data for that request. Et on ne peut pas informer Stoffel Vendôme sur l'état de la piste à la fin du Grand Prix et c'est dommage parce que de notre côté, on n'a pas non plus d'informations de la part de la direction de course. On avait vu 20 minutes de pluie fine avant un changement de conditions météo. Et depuis, eh bien la pluie n'a plus vraiment posé de problème aux pilotes. On est sur une piste gras mouillée pour la trajectoire principale, même s'il reste des flaques aux abords de la piste. Romain Grosjean toujours à la bagarre ici avec cette fois-ci l'une des Williams. Et le Français qui continue de faire ce qu'il peut avec le matériel à sa disposition. On est au-delà du top 10 hein, pour l'instant du côté de chez Haas. Et la lutte avec la Williams de Lance Stroll. Alors le retour à bord de la voiture de Lewis Hamilton qui désormais eh bien, doit retenir les Ferrari. Et c'est l'arrêt au box pour Stoffel Vendôme. Vous le voyez en quart image, le pilote belge qui va observer son premier arrêt, laissant la tête de course à son équipier. Voilà, c'est donc désormais Alonso qui est officiellement leader du Grand Prix devant Hamilton et Vettel. Voilà, on s'arrête du côté de Vendôme, on remet un train intermédiaire et on repart. Alors Vendôme qui repart avec une piste quasiment libre, il se retrouve aux côtés des deux Red Bull. Mais Vendôme a des pneus froids, mais avec une sculpture plus fraîche. Il va sans doute se débarrasser rapidement de Ricciardo et de Vettel. Ça nous laisse donc en tête la voiture de Fernando Alonso. Et derrière, la lutte avec bien voilà, les deux Red Bull qui se sont fait siffler leur bagarre par Vendôme. Regardez la différence avec les pneus neufs. Oh, ça freine tard pour Stoffel. Et ouais, les pneus qui ne sont pas forcément directement en température pour le cours 13e, il va falloir mettre tout ça correctement à niveau. Mais l'undercut peut le conforter dans son leadership. Mais attention à ne pas être trop court en stratégie. Et c'est désormais Alonso qui mène les débats. Voilà, à bord de la voiture du leader. Pas de recherche d'eau pour l'instant du côté des hommes de tête. On reste fidèle à la trajectoire. Les pneus s'usent, ils se désculptent. Ils deviennent de plus en plus lisses au fur et à mesure des tours. Avec la piste qui sèche, pas de raison de changer. Et je crois bien que du côté d'Alonso comme de Hamilton, on va tenter le seul arrêt. Alors que justement, Lewis Hamilton cède la deuxième place à Sébastien Vettel. Et désormais, le pilote allemand se retrouve bien en place. Est-ce que ça rendre derrière? Non, ça continue. On voit Vendôme qui revient derrière. Hein. On l'a entreaperçu. Voilà la McLaren orange, tout à la dérive dans le fond de l'image. Les sixièmes, Stoffel. What's the gap with Ricciardo? What's the gap with Ricciardo? Our gap behind is 4.1 seconds. Some information on Harry Anto. They've got a serious car issue. It looks like they're retiring. Et l'abandon de l'une des voitures, on n'a pas vu ce qui s'était passé. C'est un moteur qui vient de casser dans la ligne droite, vous ne l'avez pas vu. Alors que la lutte continue avec Max Verstappen qui s'est fait chipper sa place par Ricciardo au freinage. Et désormais derrière le néerlandais, vous êtes sur le museau de la Red Bull
de Max. Et encore beaucoup d'eau malgré tout sur la trajectoire ici à Shanghai. Les Red Bull qui, je vous le disais, sont devant les Toro Rosso. Alors, Vandoorne qui a fait la jonction, c'est intéressant, avant même d'avoir vu ses petits camarades observer leur arrêt au stand, et eh bien il se retrouve désormais 6ème au contact de Valtteri Bottas et des Ferrari, et Alonso est bien plus loin devant, et ça enfile les meilleurs secteurs pour Vandoorne. Regardez ça, voilà, la jonction est faite, désormais il va pouvoir profiter de l'aspiration de Bottas. Allez, Vandoorne qui va sûrement déboîter là-bas. Et il y va sur Bottas. Oh, il freine un peu plus tôt. On est très prudent du côté de Stoffel Vandoorne. Et c'est la cinquième place pour le Belge. Oh, et va-t-il chercher également Raikkonen? Oui, la différence de pneus est importante et ça passe pour le moment. Et je me demande si Vandoorne ne va pas se retrouver deuxième rapidement. Et c'est lui pour l'instant le pilote le plus rapide en piste en 1:51.262. Oh, les risques pris par Vandoorne à hauteur d'Hamilton pour prendre une nouvelle position, c'est fait. Et il ne reste que Vettel sur la liste. Oh, il va à l'intérieur, c'est osé. Et ça passe. Et bien voilà, Vandoorne qui de manière autoritaire s'est emparé de la deuxième place. On retrouve Kevin Magnussen à la bagarre avec un Marcus Ericsson incisif dans le premier droit. Et la Sauber BMW qui passe Magnussen. Ah, les deux BMW qui sont passés devant. Ils sont désormais 18 et 19e. Ça se passe pas bien pour l'instant. Peut-être un problème du côté de la voiture de Kevin Magnussen. Alonso, toujours leader de ce Grand Prix de Shanghai, avec peut-être un avantage certain sur la stratégie face à Vandoorne. Voilà Alonso qui devrait s'arrêter au box. On parle bien au conditionnel. Une seule fois, puisque là, s'il s'arrête deux fois, c'est un petit peu mauvaise stratégie. Et ça continue pour Alonso qui va bien donc tenter de dépasser la mi-course avec ses pneumatiques. Alors que derrière, on a droit à une belle bagarre entre les deux Toro Rosso de Sainz et de Daniil Kvyat. Et devant, ça continue de barder entre Verstappen qui est repassé devant Ricciardo. Mais là, c'est aussi une belle explication. Et ça nous donne aussi une belle vue du niveau de ce peloton, avec trois écuries qui se détachent en termes de performance. Mercedes, McLaren et Ferrari suivent derrière les Red Bull et enfin les Toro Rosso. Ça donne vraiment un joli point de vue sur la hiérarchie de ce début de saison. 5 secondes pleines entre Alonso et Vandoorne, c'est bel et bien ce que l'on a cru comprendre au moment du passage des deux machines au niveau de notre transpondeur. Ici on est avec Julian Palmer et Lance Stroll, le pilote canadien. Ces deux-là se battent pour une 13e position. Et devant, c'est, je pense, Nico Hülkenberg sur la deuxième Renault. Ah, effectivement, dans le fond de l'image, on voit la deuxième monoplace française qui n'a pas bien supporté la rupture avec Total pendant l'hiver. Et il y a encore beaucoup de travail à fournir en compagnie de Castrol pour faire avancer la belle équipe, avec peut-être l'année prochaine déjà. I see no more drops of rain in my visor, so do we have to stick with the inters, or is there a chance to finish the race under dry tires? Ah, et pas de réponse de la part de Jeff pour Stoffel Vandoorne, qui se posait la question, si la piste continue d'évoluer ainsi, va-t-on devoir monter les pneus à bande jaune, rouge peut-être, c'est-à-dire les pneus slick les plus tendres. Alors pour l'heure, ça n'est vraiment pas au programme, puisqu'il y a encore pas mal d'eau sur la piste, même si regardez la trajectoire, ne voit plus trop d'eau se soulever derrière les roues des voitures. Ça n'est de toute façon pas possible pour l'instant d'évoluer sur cette piste en conditions humides avec des pneus secs.
Alors Hamilton, Vettel, Raikkonen, Bottas, ces quatre-là ne se lâchent pas depuis mi-course, au moins. Et je me demande si Ferrari ne parviendrait pas à dépasser Hamilton, si elle pourrait, ces deux voitures rouges, gagner vraiment quelque chose par rapport au Mercedes. Et le train italo-britannique qui continue. Allez, Alonso, retour en tête avec le taureau des Asturies qui pour l'instant mène correctement sa course avec l'espoir de gagner ce Grand Prix de Shanghai. Même si l'on voit derrière revenir Van Dorn avec des pneus frais. Alors sachez que si Van Dorn revient, il doit d'abord dépasser Alonso. Et il doit surtout mettre assez d'avance entre lui et Fernando pour espérer pouvoir... faire son deuxième arrêt sans terminer derrière son équipier comme ça a été le cas il y a 15 jours au Grand Prix de Bahreïn. Donc les deux voitures de tête sont désormais dans la même image, ça c'est une constatation, c'est un fait. On va voir si Van Dorn va pouvoir faire la jonction et dépasser peut-être son coéquipier. C'est normalement ce qui nous attend dans les prochaines minutes. Ah, l'arrêt de Lewis Hamilton, de quoi peut-être débloquer. La situation avec les Ferrari, l'arrêt également de la voiture de Daniel Ricciardo, l'Australien. Il chausse un nouveau train de pneus intermédiaires. Évidemment, personne ne va prendre le risque de monter des pneus slick. C'est Daniel Kvyat, le premier à ravitailler pour l'équipe Toro Rosso. Du côté de chez Haas, c'était Kevin Magnussen. L'arrêt du Français, Esteban Ocon, alors que l'on voit Jordan King passer dans le fond d'image. Tout le monde arrive pour une stratégie à un arrêt finalement. Et ça y est, oh, Alonso qui voit revenir Van Dorn, mais Van Dorn qui est complètement à la dérive. Et ça y est, va-t-on avoir droit au deuxième acte de la lutte entre les pilotes McLaren après le Grand Prix de Sakhir. Et ça se bastonne déjà entre les deux. Allez, l'attaque de Van Dorn pour peut-être s'emparer de la tête du Grand Prix. C'est fait. Et Alonso ne peut pas résister, il faut bien freiner maintenant du côté du Belge. The question is simple, do we have to put dry tires before the end of the race? It's clear, Jeff, no? The tire situation is an interesting one, but I think the right call is to stick with what we've got right now. Okay, some information on signs, they're speeding up again, so I expect they fix whatever the problem was. Come on! Fernando has just pitted. Alors, du côté... Et de Stoffel Vandoorne, on informe déjà que l'on va sûrement rester en intermédiaire jusqu'à la fin de la course. Et ça rentre pour les deuxièmes salves d'arrêt. Alonso désormais va observer son arrêt au box. Et il sera intéressant de voir l'écart qui le sépare de Vandoorne. Ça se passe bien chez McLaren. On a vu deux autres voitures entrer derrière, une Ferrari et une Mercedes. C'était bien évidemment Raikkonen et Bottas qui étaient derrière Hamilton et Vettel. Alors qui va profiter de tout cela? On attend de voir en bout de pit lane l'arrêt de Verstappen, le néerlandais. Ça se passe très très vite du côté de chez Red Bull. Ah, et malheureusement je crois que Raikkonen a payé le prix fort. Et bien voilà, donc on a Hamilton, Vettel, Bottas, Raikkonen, mais ils sont toujours ensemble. Alors désormais Van Dorn est en tête, il doit prendre au moins 20 bonnes secondes sur Alonso s'il veut tenter sa chance pour gagner ce Grand Prix. La deuxième, Toro Rosso s'offre également un arrêt au box avec Sainz. Et bien voilà, on retrouve Van Dorn en tête avec 24 secondes d'avance sur Fernando Alonso. Alors Hamilton et Vettel en bagarre pour la troisième place. L'avantage aux Britanniques pour le moment. Et voyez qu'un tour d'arrêt peut créer une belle différence entre Vettel et Hamilton et la paire Bottas-Raikkonen reléguée un petit peu derrière. La direction de course nous informe que l'on attend plus de pluie sur 10 minutes. Donc dans 10 minutes, il n'y aura plus d'eau sur le circuit. Alors 10 minutes, ça nous emmènerait aux alentours du 25e tour. Va-t-on voir un arrêt éventuellement supplémentaire pour l'ensemble de ces pilotes avec, dans le but premier, monter des pneus slick? C'est pas sûr. On va bien voir. En tout cas, l'attaque de Vettel pour la troisième place sur Hamilton. La résistance de Lewis qui ne peut rien faire. Et on va chercher de l'eau avec les pneus neufs du côté
des deux candidats au podium. Et nouveau tour couvert pour Van Dorn en tête devant Alonso, Vettel, Hamilton, Raikkonen et Bottas. Et on annonce 23 secondes d'avance à Van Dorn. Alors, et Hamilton qui s'est fait passer par Bottas. Ah oui, et bien voilà, on vous parlait tout à l'heure de l'undercut. C'est intéressant parce qu'on part plutôt avec un pneu plus frais, mais malheureusement on a un pneu plus vite usé, et là la différence se fait déjà peut-être ressentir pour Hamilton face à Bottas. Felipe Massa, que l'on n'a pas beaucoup vu dans ce Grand Prix, les Williams en général, on a vu quelques plans de Lance Stroll qui avait fait sensation pour avoir mené lors du Grand Prix de Bahreïn, mais ici les Williams ont retrouvé leur place, c'est-à-dire l'ombre du peloton, et il est en bagarre avec Esteban Ocon, Felipe Massa pour l'instant. Mais quelle saison calamiteuse pour l'instant pour Williams, qui paye le tribut du départ de Bottas pour Mercedes, c'est indéniable. Alors, les Mercedes qui sont un petit peu plus éparses que tout à l'heure. Il reste 10 boucles dans ce Grand Prix de Chine. Et Van Dorn, vous le voyez, qui est à l'attaque mais qui glisse. Esteban Ocon, qu'on avait vu tout à l'heure, résister à Massa. Ça continue, le Français reste bien à son affaire face au vétéran brésilien. Il a donc rempilé pour une année supplémentaire chez Williams. Okay, it's too wet to put dry tires. Let's stick inters. Inters for the next stop, Jeff. Et du côté de Van Dorn, on confirme. Conditions to remain dry for a while. We will update you if the outlook changes. Okay. Eh bien voilà, du côté de Van Dorn, on confirme qu'on ira au bout avec les intermédiaires et qu'on va encore faire un arrêt pour chausser une nouvelle paire de gommes à flanc vert, mais pas pour tout de suite. D'ici 3-4 tours peut-être pour arriver avec un train de pneus neuf pour la fin de course et ainsi rattraper Alonso. Et regardez, on va à l'extérieur chercher l'eau hein, du côté de Stoffel. Et le pilote belge qui évolue toujours en tête avec une belle avance pour le moment. Qu'en sera-t-il au moment de l'arrêt ? On écoute Stoffel et on confirme qu'il n'y aura pas de changement de météo. Pour le moment, on reste sur cette ruisselante pluie alors qu'on a les premiers retardataires qui se présentent devant le leader, mais... ça ne sera pas pour tout de suite, puisque je pense que Van Dorn, avant de tomber sur la Haas et les autres voitures plus lentes, va observer son arrêt. Retour sur la lutte avec Massa qui a dépassé le Français Esteban Ocon. Tout cela pour rentrer au box. Deuxième arrêt pour Felipe Massa, qui doit être sur une stratégie similaire à celle de Stoffel Van Dorn. Okay, inters are okay to finish the race. Inters are okay to finish the race. Et la confirmation de Stoffel Van Dorn donc pour les pneus intermédiaires et le fait qu'il va rentrer ce tour-ci. On va suivre le deuxième arrêt du Belge pour voir où il va ressortir par rapport à Fernando Alonso. Que ça plonge pour Stoffel. Oui, ça y est, attention ici parce qu'il y a beaucoup plus d'eau que sur la piste. Oh, et Stoffel qui va dans le gravier! Oh, attention, parce que là, Van Dorn a failli faire comme Hamilton il y a de cela déjà 10 ans. Et oui, il y avait beaucoup plus d'eau dans cette partie-là de la piste et les pneus intermédiaires sont peut-être usés, drainant un peu moins l'eau. Attention. Alors, l'arrêt au box. Il faut bien réussir la manœuvre pour espérer remporter ce Grand Prix pour le pilote belge.
pas le meilleur arrêt de la carrière des mécaniciens de chez McLaren. 2 secondes 8. Et Alonso qui arrive et qui va reprendre la tête. Alonso est devant. Et Fernando Alonso qui est devant, mais désormais l'avantage est à Van Dorn qui a des pneus neufs. Alors, qui va tenir jusqu'au bout? Décidément, la lutte entre ces deux-là ne fait que monter en puissance depuis le début de saison. Allez, Van Dorn qui est à l'extérieur, peut-être face à Alonso. Ils sont proches et il y a de l'intimidation des deux côtés. Mais Alonso reste devant. Et Van Dorn qui, sur l'extérieur, va tenter sa chance avec les pneus neufs. Ça peut passer au niveau du grip. Ça serait magnifique de doubler à l'extérieur. Van Dorn complètement en vrac à la dérive et ça passe. Non, si. Van Dorn est en tête, mais il part au large dans les marbles. Alonso va se réemparer de la tête de course. Oui, non, ils sont côte à côte. Oh, il manque de se toucher. Et l'avantage à Van Dorn qui repasse à l'intérieur. Eh bien, voilà. Eh bien, s'il nous habitue à nous faire ça à chaque Grand Prix, on va devenir de plus en plus fan de cette équipe McLaren Honda. Et Van Dorn qui est parti désormais pour faire la nique à Fernando Alonso dans ce Grand Prix de Chine. Et ainsi remettre les pendules à l'heure au niveau du championnat. Et regardez les dérives de Van Dorn qui est full attaque avec ses pneus neufs. Face à Fernando Alonso qui lui est en train de subir un petit peu la fin de vie de ses gommes intermédiaires. Oh là là, le verdict est sans appel pour un Van Dorn qui a pris déjà quasiment 2 secondes d'avance sur son équipier. Ah là, celle-là, je pense qu'elle va être... sauf catastrophe pour Van Dorn. On va rentrer dans les dernières boucles de ce Grand Prix de Chine. Restera 8 boucles à couvrir. Voilà. Alors que derrière, oh, Hamilton qui est en train de céder plusieurs positions là. Les deux Red Bull qui sont juste devant lui. Hamilton qui doit avoir un problème technique parce que regardez, oui, il perd beaucoup de temps face au Red Bull à la relance. Est-ce que le moteur de la Mercedes n'est pas en train de lâcher au moment où Verstappen vient de s'expliquer avec Ricardo dans la ligne droite? Il passe juste sous notre cabine. Bataille pour le top 5 entre Verstappen et Ricardo. Est-ce que ça peut passer pour Verstappen? Eh non, il reste blotti derrière l'Australien. Mais quelle explication entre les deux? Depuis le début du Grand Prix, ils ne se sont pas lâchés, hein, les Red Bull Boys. Allez, allez, on les attend. Voilà, ils arrivent dans l'image désormais. Et au fond, Hamilton toujours plus en déclin au fur et à mesure des tours. On espère que le moteur de la Mercedes ne va pas nous lâcher quand même. Parce qu'il a quand même des points pour le moment, Hamilton. Même si on n'a pas d'informations sur la santé du châssis ou du moteur de la voiture. Pour l'instant, c'est une 7e place pour Hamilton. Ce qui le ferait chuter derrière les Ferrari, évidemment, au classement général. Et on reste avec Verstappen et Ricardo dans leur lutte qui les oppose pour le top 5. On va aller voir en tête l'écart avec Van Dorn. Voilà, qui est au bout de la grande ligne droite. Et Alonso qui résiste tout de même. C'est pas complètement décroché pour Fernando. Vettel par contre est lui complètement largué, hein, face au McLaren qui eh bien, ont tenu leur promesse pour l'instant. 21e boucle couverte pour Stoffel Van Dorn. Toujours leader mais on tourne beaucoup moins vite que tout à l'heure, hein, malgré la perte de l'eau en intermédiaire. On sent qu'on est entre deux conditions de gomme, hein, vraiment on peut tenter peut-être de monter des slicks mais ça risque d'être à Paris extrêmement osé. Je pense que l'une ou l'autre voiture pourrait le faire en fin de peloton pour tenter sa chance si vraiment ça devient sec. Mais là, difficile d'évoluer sans se mettre dehors. Et toujours la bataille pour la 5e place. Et regardez Hamilton qui continue de crouler derrière. Incroyable le malheur du leader du championnat l'année dernière. Le champion du monde en titre qui souffre véritablement depuis Melbourne. 2e place derrière Bottas, c'était déjà dur à accepter au niveau du moral et de l'ego du Britannique, mais alors désormais les problèmes mécaniques s'en mêlent, c'est pas la joie. Pascal Wehrlein à l'image avec Kevin Magnussen sur la Haas qui passe. Enfin, qui passe. Qui est censé passer. Voilà, c'est fait alors qu'il y a drapeau jaune. Ah oui, il y a une voiture qui est arrêtée dans le 3e secteur, il y a un moteur qui vient de casser. Et oui, c'est
une Sauber qui est arrêtée. Is this the same driver out? Et c'est Marcus Ericsson. L'arrêt de la Sauber de Marcus Ericsson, vous le voyez dans le fond de l'image à droite. Voilà, elle est arrêtée. Le Suédois est à l'abandon. Moteur cassé pour la Sauber BMW. Eh bien, dites-moi. Alors que là, Ricardo est en passe peut-être d'aller chercher son équipier. Et plus de pluie dans les 10 minutes. C'est le message que l'on avait tout à l'heure à la direction de course. Et on nous confirme que, eh bien voilà, ça va sécher jusqu'à l'abaissement du drapeau à Damier, qui verra sans doute la victoire de cet homme dans 5 tours. Encore faut-il ramener la voiture au bout. Allez, Van Doorn qui se bat toujours avec sa voiture et les éléments. Julian Palmer à l'image, le pilote britannique qui fait une course pour l'instant pas trop mauvaise. Même si là, il vient de se faire siffler une position, la 17e. Et Van Doorn qui résiste, mais c'est quand même chaud hein, là face à Alonso. Stop talking about the weather now. We go to the end with the inters and that's it. Et voilà, c'est conclu pour Van Doorn à la radio. Et bien voilà, comme ça vous avez toutes les informations qui circulent dans le casque du pilote belge. Oh, la lutte ici qui est âpre entre Verstappen et Ricardo. Ricardo qui va passer. Ricardo qui va passer. Et c'est fait. Le pilote australien s'est emparé de la place du néerlandais qui est son équipier. Alors Van Doorn toujours en tête avec la confirmation d'aller au bout avec les intermédiaires. C'est désormais chose faite. La sortie du banking dans le 24e tour de course. Et drapeau jaune. Et il y a une voiture qui a disparu de nos écrans. Alors, y aurait-il une nouvelle casse moteur? Ce serait pas impossible. Mais pour qui? Et c'est la deuxième Sauber qui a cassé son moteur. Alors là... Ouais, effectivement, on ne voit plus passer Pascal Wehrlein sur nos images, ni sur notre transpondeur. Et bien voilà. C'est désormais un double abandon pour l'écurie BMW Sauber. Eh bien, les problèmes se suivent et les week-ends se ressemblent pour l'équipe suisse. Ah, c'est dommage, vraiment. Bon, après, ils se battaient vraiment pour la fin du peloton, mais les courses étaient assez animées, visiblement. Alors, maintenant, Pascal Wehrlein a fait son apparition de nouveau sur nos écrans. Il vient de passer le transpondeur devant la voie des stands. En train un peu de s'en mêler les pinceaux là du côté du live timing. Je sais pas si c'est l'eau qui est en train de fausser nos résultats, mais oui, Pascal Wehrlein qui vient de passer dans le deuxième secteur. Donc c'était bien de nouveau la Sauber de Marcus Ericsson qui était à l'arrêt et qui n'a pas encore été évacuée dans le dernier secteur. Ça fait longtemps, ça fait deux tours tout de même qu'elle est arrêtée cette Sauber. Ah oui, pour le compte, puisqu'on voit dans le fond de l'image le Pascal Wehrlein, il est loin devant, mais il est devant Stoffel Van Doorn. Ah, ça glisse toujours autant pour le pilote belge. Et on écoute la radio. Et on confirme que ça va rester sec du côté de Shanghai. La lutte derrière continue entre eh bien, Sébastien Vettel et Lewis Hamilton ou Valtteri Bottas. C'est Valtteri Bottas, je pense, puisque Hamilton est toujours en train de crouler au niveau du classement. C'est bien la troisième place qui est en jeu entre les deux pilotes, puisque Alonso est toujours deuxième. Voilà, pour ceux qui s'inquiétaient de Pascal Wehrlein, il est juste là en bas de l'image.
Et on s'excuse auprès des supporters du pilote allemand, mais il va bien. Alors la troisième place, on en parlait il y a quelques secondes, avec Vettel qui se bat toujours face à Valtteri Bottas. Raikkonen semble derrière bien trop loin pour espérer quelque chose en cette toute fin d'épreuve, qui aura donc vu l'ensemble de la course courue sous drapeau, sous pneu intermédiaire. Et les drapeaux bleus qui ont aidé Pascal Wehrlein à s'écarter. Et ça glisse énormément pour Van Doorn. On le voit, il est quasiment en train de survirer à chaque passage de courbe rapide. Devant lui, il y a une Haas. Alors, quant à dire qui est devant lui, je pencherai pour Kevin Magnussen. Et c'est bien le Danois qui est devant Stoffel Van Doorn, qui a pour la première fois du trafic dans les dernières boucles de ce Grand Prix de Chine, qui va sans doute voir eh bien, le Belge remporter son premier Grand Prix cette saison, lui offrant par la même occasion la tête du championnat devant son équipier. On aurait donc pour la première fois un pilote et une équipe McLaren en tête, avec les deux pilotes devant au classement général. Derrière, la lutte continue entre Ferrari et Mercedes, puisque l'on voit toujours Bottas s'expliquer avec Sébastien Vettel sur nos écrans. On devrait aller voir d'ailleurs ce qui se passe derrière pour cette troisième place, parce que ça a l'air d'être la foire d'empoigne. Ils sont côte à côte dans la ligne droite de retour, vous ne les voyez pas. Il faudrait voir derrière ce qui se passe, parce que là, Vettel et Bottas, c'est une lutte incroyable. Et que fait la réalisation? On le sait qu'il est en tête, Van Doorn. On l'a déjà vu, on le verra encore. On l'espère souvent, mais là, il faut aller voir le freinage du bout de la ligne droite. Voilà Bottas qui attaque Vettel. Alors on a failli rater le dépassement, et Bottas qui s'empare de la troisième marche du podium, boutant les Ferrari en dehors de ce dernier. Vettel qui n'a pas dit son dernier mot, il va revenir je pense, le pilote allemand, à l'aspiration dans les derniers kilomètres de ce Grand Prix. Vettel à l'intérieur sur Bottas, ils sont côte à côte. Et le pilote allemand qui va peut-être récupérer le podium. Il élargit un maximum la trajectoire pour obliger Bottas à ne pas bouger. Oh, et Bottas qui reste à l'intérieur. C'est chaud entre les deux. À l'explication qui est rude. Et Vettel ne lâche rien. Il est toujours aux côtés de Bottas. Est-ce qu'il l'a vu, le Finlandais? Oui. Ah, c'est superbe là, cette lutte pour la troisième place. Et finalement, Bottas est devant. Mais Vettel va faire l'intérieur au freinage. Oh, ils ne se sont pas touchés une fois. Ils sont encore côte à côte, c'est incroyable. Et Bottas qui va avoir l'avantage du virage à gauche. Et Bottas qui passe, troisième place pour le Finlandais. Ça résiste et c'est beau, c'est très très beau cette lutte. Alors qu'on a vu la direction de course nous informer d'une pluie forte qui devrait arriver dans les 15 prochaines minutes. Mais je pense que le drapeau à damier sera présenté d'ici cette période. Et on retrouve donc Vettel, quatrième désormais, alors que Van Doorn a passé la voiture de Kevin Magnussen, la Haas, qui était donc désormais sous la loi du drapeau bleu. Ça va être au tour d'Alonso, qu'on a vu se battre avec Pascal Wehrlein. Voilà dans le fond de l'image Alonso. Et on entre pour Stoffel Van Doorn dans les derniers instants de ce Grand Prix de Chine, avec la tête bien instaurée, alors qu'il est maintenant bien engagé dans le 28e et dernier tour de ce Grand Prix. Ce que l'on confie au pilote belge, dernier tour, alors que derrière Vettel est repassé devant Valtteri Bottas. Eh bien dites donc, qu'est-ce qui nous anime la fin de course ces deux-là? Terminé avec Bottas qui se sent pousser des ailes chez Mercedes. Est-ce que l'aspiration va suffire au pilote finnois pour attaquer Sébastien Vettel? Eh non, Vettel qui protège bien, il va falloir bientôt retourner aussi sur la tête de course. Ça continue pour Van Doorn qui remet un coup dans le premier secteur avec le meilleur temps absolu. Et Bottas qui va donc sans doute céder le podium à une Ferrari. Et Vettel sera plus que jamais troisième homme du championnat si c'est le cas. Avec les problèmes de Lewis Hamilton. Ah non, Bottas serait devant Vettel au championnat, autant pour moi. Allez, on va revenir sur Van Doorn peut-être. Voilà, le pilote belge qui vient de conclure le deuxième secteur. Il est dans la grande ligne droite. Il va lui rester deux petits freinages et ça va être fait. Il avait remporté son premier Grand Prix de Formule 1. C'était l'année dernière dans ces mêmes conditions sur le circuit de Spielberg en Autriche. Et c'est cette année la première victoire en Grand Prix de Stoffel Van Doorn avec la McLaren Honda.
Et ça va surtout être le deuxième doublé en trois courses pour l'équipe d'Éric Bouillet qui n'en espérait pas tant après un hiver bien studieux. Le dernier freinage pour Stoffel Vandoorne qui va réaccélérer et qui va aller cueillir le drapeau à damier. C'est fait, victoire du pilote belge à Shanghai, c'est fait. Woohoo! First win of the season. Absolutely awesome, just amazing, well done. Thanks, amazing job on the pits. The second one could be more fast, but yeah, anyway, we win. Thanks guys. Et pas un mot à l'encontre de Fernando Alonso. Victoire de Stoffel Vandoorne à Shanghai. Eh bien, ça nous promet une saison bien animée. Et le podium est donc bien complété par Valtteri Bottas, qui sera donc troisième de ce Grand Prix. Et Lewis Hamilton qui terminera huitième avec une Mercedes dont il faudra bien réviser la mécanique parce que là, il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond et on sent la désillusion. La victoire de Vandoorne, ils sont sur le podium avec à ses côtés Fernando Alonso et la troisième marche pour Valtteri Bottas, la McLaren qui poursuit sa chevauchée fantastique. Et le champagne désormais pour les hommes d'Éric Bouillet. Eh bien, si cette saison continue, elle sera teintée d'orange et de noir, cette saison 2017. On va voir si ça va continuer. On vous donne rendez-vous évidemment pour la quatrième manche du championnat. Ce sera du côté de la Russie et de Sochi. Il fallait donc faire un arrêt au box pour être parmi les premiers. Seul Vandoorne en a fait deux. Le classement général avec 3 points d'écart entre Vandoorne et Alonso. 10 points pour Bottas, 30 pour Ricciardo qui se retrouve devant Vettel. Malgré tout, Hamilton, lui, perd pied. Il est sixième désormais. On constate la 11e place de Jordan King avec 4 points. Bravo au pilote britannique de l'équipe Manor. Nico Hülkenberg est 11e avec les points acquis depuis le début de saison. Et c'est McLaren qui mène désormais le championnat avec 113 points au classement. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire et à retenir de ce 3e Grand Prix de la saison. J'espère que vous avez été fort captivés par ce qui se passait en piste et notamment la lutte qui avait opposé Hamilton à Vettel. Merci à toutes et à tous pour votre attention et votre fidélité. On se retrouve très vite pour la manche de Sochi en Russie. D'ici là, portez-vous bien et bon amusement en piste. Au revoir.